Bonjour, donc oui, effectivement, lors de la visite du président Macron en avril dernier, l'une des priorités affichées par le président, c'était la relance des échanges humains, donc sous toutes leurs formes, et ça inclut évidemment les échanges culturels entre nos deux pays, qui sont historiquement importants et très nourris dans différents domaines, qui incluent évidemment le patrimoine, mais aussi la culture plus contemporaine, la création, qui inclut le spectacle vivant. Alors, il y a plusieurs axes de coopération qui vont être poursuivis. Donc, d'abord, on va reprendre certains projets qui ont été suspendus ces dernières années. Par exemple, on a des projets de coopération dans le Shaanxi, autour du temple Gongshutang, autour du mausolée Maoling. On a aussi des projets de coopération autour de l'armée de terre cuite, qui sont des choses très concrètes sur lesquelles des experts français et chinois avaient commencé à travailler ensemble avant la pandémie, donc vont pouvoir reprendre leurs contacts pour poursuivre leurs échanges scientifiques et techniques. On a aussi des idées de coopération entre des grands musées français, entre des universités, pour pouvoir échanger aussi au sujet du patrimoine. Et puis évidemment, il y a une préoccupation commune de la France et de la Chine pour la protection du patrimoine partout dans le monde. On connaît l'attachement de nos deux pays à l'UNESCO. Je pense qu'on fait partie des pays sans doute qui ont le plus de sites classés au patrimoine de l'UNESCO, matériel et immatériel. Et les deux pays sont aussi très attachés à la protection du patrimoine en danger. Alors, ça fait partie des sujets qui ont été évoqués lors de la visite et sur lesquels nous travaillons avec nos partenaires de l'administration chinoise. Donc, sur l'armée de terre cuite, comme je vous le disais, une première délégation française a pu venir en 2019 pour initier une coopération autour de ce site évidemment emblématique du patrimoine chinois. Et donc, ça s'est un peu interrompu pendant 3 ans. Et récemment, en mai dernier, une délégation d'experts français a pu revenir pour la première fois depuis 2019 pour poursuivre les échanges. Et donc, nous sommes optimistes sur le fait que cette coopération va pouvoir déboucher désormais sur des travaux intéressants et fructueux entre les deux pays. Et de l'autre côté, sur le chantier de la cathédrale de Notre-Dame, il est prévu que des experts chinois puissent se rendre en France pour aller voir le chantier pour pouvoir échanger avec les experts français. Donc, c'est quelque chose que nous sommes en train de préparer avec nos collègues de l'administration du patrimoine. Donc, la reprise des mobilités vraiment donne un nouveau souffle à notre coopération des deux côtés. Et bien pour l'armée de terre cuite, évidemment parce que c'est un site emblématique, mais aussi parce que techniquement, ça pose des défis sur lesquels la France a une expertise intéressante à apporter, notamment en matière de pierre et de bois brûlé. Donc ça fait partie des échanges qui auront lieu entre les techniciens, donc des laboratoires français et chinois, pour pouvoir regarder comment préserver, restaurer le patrimoine grâce à l'expertise sur ces matériaux précis. Et puis s'agissant de Notre-Dame, là aussi c'est un chantier emblématique dont la taille fait partie des chantiers les plus conséquents en termes de préservation du patrimoine partout dans le monde aujourd'hui, avec des moyens considérables qui ont été déployés par l'État français pour que la cathédrale de Notre-Dame puisse rouvrir dans les meilleurs délais possibles. Elle doit rouvrir d'ailleurs dès la fin de l'année 2024. Et donc, je pense qu'il y a un intérêt pour voir comment ce chantier a été conduit, avec quelle technique, avec quel type de matériaux et d'expertise. Et donc, évidemment, nous sommes ravis d'échanger avec nos homologues chinois sur tous ces sujets. Alors, le festival Croisement, c'est le temps fort culturel de la culture franco-chinoise, de la relation franco-chinoise dans le domaine culturel chaque année. Donc, ça fait 20 ans maintenant que nous organisons chaque année des saisons croisées, quelque part, des événements culturels en Chine qui célèbrent la coopération entre les deux pays. Et cette année, nous avons eu la chance d'avoir le président Macron lui-même pour ouvrir cette nouvelle édition du festival Croisement. Donc, c'est une édition assez exceptionnelle parce que, alors, outre le fait qu'elle a été ouverte par le président de la République, c'est aussi la première édition pleinement en présentiel depuis le début de la pandémie. Donc, on a été très heureux de voir le public chinois revenir très nombreux pour assister à de nombreux événements. Il y a eu beaucoup d'expositions, de très belles expositions, comme par exemple une exposition sur le surréalisme à Shanghai, au musée Westbund, qui met en avant
l'inspiration que les artistes français du surréalisme ont pu trouver dans l'art traditionnel chinois et dans la littérature traditionnelle chinoise. Donc c'est vraiment une exposition intéressante sur le dialogue interculturel. On aura en juillet une très belle exposition sur Matisse, ici à Pékin, au musée UCCA. Il y a eu une très belle exposition de photos aussi à Shanghai de Raymond Depardon. Donc il y a eu vraiment beaucoup de très belles choses sur les arts visuels. Il y a eu aussi des spectacles vivants. On a fêté cette année la fête de la musique pour la première fois depuis 3 ans avec des groupes français qui ont pu venir en Chine spécifiquement pour jouer sur scène aux côtés des groupes chinois. Et ça a été un grand succès et le public chinois était vraiment très heureux de retrouver cet événement. On a aussi des événements dans le domaine du théâtre, par exemple, de la danse. Donc on est vraiment très heureux de cette nouvelle session et on attend avec impatience celle de 2024 qui sera un peu particulière puisque en 2024 nous fêterons l'année du tourisme culturel franco-chinois et en même temps le 60e anniversaire de nos relations diplomatiques. Alors, on est en train d'y travailler, il y aura beaucoup d'événements et par exemple, quelques-uns d'entre eux ont déjà été annoncés et ont été signés en présence des deux présidents en avril dernier, comme une très belle exposition sur une exposition historique sur Versailles et la Cité interdite, qui sera ouverte ici à Pékin en avril 2024 et qui mettra en avant les liens historiques entre les deux sites, la façon dont Versailles, à travers son mobilier, à travers ses objets décoratifs, à travers aussi des documents historiques, a pu être influencé par la Chine impériale à l'époque. Donc ce sera une exposition très riche, très intéressante. Il y aura aussi évidemment beaucoup d'autres projets, comme par exemple une exposition sur les palais de Napoléon, une exposition sur le chic à la française. Il y aura des expositions de photographie, il y aura des tournées, comme par exemple des tournées de comédie musicale française qui n'avaient pas pu venir depuis quelques années et dont je sais que le public chinois est particulièrement friand. Des tournées de théâtre, des événements dans le domaine du cinéma. Donc toute l'année 2024 sera marquée, échelonnée par des rendez-vous culturels, ici en Chine avec des événements français bien sûr, mais aussi en France avec des événements culturels chinois qui sont aussi en cours d'organisation.